Si on écoutait maintenant Là-bas. Ah, Là-bas, c'est aussi un de mes morceaux favoris. Tu l'as écouté, Roshi? Non. Non plus. Non, je crois pas. No spoil. C'est l'outro de l'album. C'est le dernier son de l'album. Le dernier? Ouais, c'est le dernier son de l'album. Ah, il faut que tu l'écoutes, frère. Écoute-le, mets-toi bien dedans. Et là, c'est un autre voyage. Crois-moi que c'est un voyage encore plus. Le dernier, là? Pas de mythe. Ouais. Écoute, mec. Écoute. Écoute, mon frérot. C'est un voyage. Tu veux voyager? Il a enlevé les lunettes, Roshi, tu sais, il a posé les lunettes. Merde, on me spoil le dernier. Le dernier? Non, il faut que t'écoutes, frère. Il faut écoute, que t'écoutes. Écoute. Fais un effort. J'écoute des albums, j'enlève le mode aléatoire. Je suis vraiment ça. Bah oui, normal. Il enlève, tu sais, la confusion. Porte. Mais il y aura l'avant-dernier aussi. Comment je la ferme, la porte, maintenant? Elle est ouverte dès le début. Mec, allez, écoute. Écoutons-le. Écoute-le. Dis-moi ce que t'en penses. J'espère l'oublier après. Ça l'a énervé. Ah. Alors là. Ah, je crois qu'on a perdu Roshi. Alors là, entre énervement et peut-être surprise ou... J'ai le seum. Voilà. Mais qu'est-ce que tu penses du morceau? Moi, après, je vais dire un petit mot sur le morceau. Et après, tu vas l'oublier très vite, Roshi. Tu vas très vite l'oublier. Tu l'as presque oublié déjà. Très, très, très bon. Merci beaucoup, frérot. Merci. Énervé de ouf. Mais j'ai le seum de ouf. Je comprends. Moi, allez, tu l'as oublié. J'avais besoin aussi de vous montrer pendant le Planète Rap là, les différentes facettes qu'il y a dans l'album et tout. Parce que donc, dans les freestyles, je m'amuse à faire du boom bap parce que c'est de là où je viens et que c'est, ça me fait kiffer. Ça me fait tout simplement, quand je pense Planète Rap, je pense au boom bap. On s'est régalé d'ailleurs hier soir avec la reprise de Rimka, ouais. Le morceau. T'as kiffé ou pas? Ah, vous avez fait avec Igor et tout. Exactement. Je me suis écouté plein de fois celui-ci. Ouais. Avec Igor Aldete. Ouais. Et du coup, dans l'album, il y a, comme je t'avais expliqué aussi dans un courant de la semaine, j'ai exploré pas mal de choses. C'est aussi pour ça que l'album peut s'appeler Je vois les couleurs. Et voilà, donc je voulais vous montrer aussi ces facettes-là qu'il y a dans l'album. Et mais voilà. Tu as tout à fait raison, sauf pour Roshi, mais c'est pas grave. Il a presque oublié. Il va quand même l'écouter dans une semaine. En tout cas, ça reste un de mes morceaux favoris, je pense, quand même. Il est magnifique, ce morceau. Merci beaucoup. Il est magnifique, ce titre. Et on va revenir dans un instant. Donc, Roshi, pas de problème. Pour le morceau qui arrive dans un instant, un morceau qui s'appelle Turbo S. Ça, celui-ci, on le connaît. Donc, c'est bon, tranquille. On va pouvoir le balancer tranquillement. Issu de la mixtape Rage. Exactement. Et ça arrive dans un instant. Ne bougez pas, la suite de ce Planet Rap avec Seth Joes sur Skyrock, c'est juste après ça. Planet Rap. Planet Rap.